prochaine. Numéro 38, Mickaël avec nous pour la première fois. Franck, le prof, Christophe, le master, Florent, le bastouane et Jean-Claude, notre guest star. Allez, tous les quatre, tous les cinq, on essaie de vous proposer un coaching filmé avec plein de choses ce soir. Il y a de la force, il y a trois blocs de force. Une fois qu'on a travaillé sur ces trois blocs de force, on a des mélanges de travail rapide, des travaux stable et instable avec le ballon. Ensuite, on va avoir du travail sur plusieurs filières énergétiques. Donc on va aller sur du rapide, de 0 à 10 secondes, on type une filière énergétique, de 0 à 30, de 0 à 50, de 0 à 1 minute, on type sur la deuxième pour la troisième filière. Donc à lactique, lactique. Je n'utilise pas les sucres, j'utilise les sucres. On aura un mélange aussi de traction, on va faire un run, un circuit entre le TRX, qui est un outil utilisé avec les cordes, avec des poignées, avec des sangles, permettant de travailler avec son propre poids. De lutter contre l'inertie. Un travail à la fois de vitesse, de coordination, et à la fin je l'ai appelé mental énergie. Le mental énergie c'est de la presse tout simplement. Donc après avoir fait deux bonnes heures, les HM avec un bon travail en presse verticale, en poids, ils auront entre 30 et 45 kilos. Voilà, j'espère que ça va bien se dérouler. Flo, Christophe, Mickaël, la news avec nous et Jean-Claude. Prêt pour le 38e? On va voir.
juste deux fois. C'est raté, Grèce. Encore là. Préparez-vous les deux, hein. On refait. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Encore. Bon, ça. On passe en train de se mal grand. Donc, prépare-toi. Trois, deux, trois. Un, deux, trois. Diagonale statique à droite. Un, deux, trois. Diagonale statique. Un, deux, trois. Statique. Deux, trois. Statique. Les gars, restez statique à droite. Statique à droite. Yes. 1, 2, 3, statique. Oui, bien. Go. 2, 3, dégage un peu. Statique à gauche. 2, 3, sortez-vous. À gauche. Gauche. Ah. Statique à gauche. 1, 2, 3, balance. Restez arrêt. 2, 3. Ouais, lâchez. 1, 2, 3. Squat jumping. Pliométrie, force vitesse. Un dos solide et des jambes en ressort. Connexion avec le taekwondo. Et surtout la notion des dips qui vont permettre de confectionner toujours une sorte d'échauffement, on va dire un échauffement virtuel, mais un échauffement de la chaleur, on constitue de la chaleur dans les bras pour ne pas tomber dans la fatigue musculaire au niveau des arrières de bras. Ce qu'on va avoir besoin pour le deuxième bloc de travail en force à la machine que voilà, puisqu'on montera la barre tout à l'heure entre 40, 50, 60, voire 70 kg, et on espère atteindre ce soir les 95 kg. Dips pour l'académie, le poids. Yes. Après avoir jumpé 10 fois, 10 petits en bas, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 et un seul, go. Lâchez. Un petit clin d'œil d'affin, le 3 de Legacy. C'est un correcteur de dos, ça. C'est même un correcteur, allez, c'est pas la magie, c'est même un correcteur de scoliose. Objectif, c'est le rachis. Colonne vertébrale, chaîne antérieure myofasciale, chaîne postérieure. L'objectif, on va poser cet haltère dans le dos ou sur le dos. Mais pour ça, pour pas abîmer les lombaires, on va devoir fléchir les jambes pour limiter la casse avec la pesanteur et la gravité. Répartir l'inertie, on a un écartement de pied un petit peu plus large que le bassin. Flexion, Laurent pose la terre de 10 kg à partir ici au niveau des omoplates. Objectif, essayer de monter le travail au niveau des coudes, au niveau des trapèzes. Il y a trois ceintures au travail là. Les trapèzes, le grand dorsal et en même temps je surcharge les jambes. Je cherche l'alignement constant. Laurent va revenir vers moi, il va même redresser et remonter la terre. Ce qui va surcharger encore plus le haut de mon dos. Et je vais devoir me concentrer encore plus sur la notion de placement corporel. Nombril de montrer, hanche poussée loin derrière les genoux et surtout une tolérance et une rigueur dans le placement et le dos. Et on lâche. Alors mise en place de l'exercice Tron Legacy. Alignement du dos, correcteur de rachis, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On continue le voyage avec l'exercice du Tron Legacy. Un alignement du dos, une prise en supination. Fléchis les jambes, Flo. Regarde vers le haut. Pour redresser la ligne. Fléchis les jambes encore. Yes. Combien? Vous restez en haut pour 30. Restez. Restez. Fléchissez sur les jambes et regardez-vous en face. Regardez-vous. On relâche. C'est parti. Pompe jumpée pour Flo. 1, 2. Traction pour Jean-Claude. Biceps élastique pour Chris. Protège tes poignets, absorbe. 1,
2, avance encore, avance. Bien, et repart sur l'arrière. À la 10e, tu restes en haut, Jean-Claude. Restez. Lève le bassin, lève le bassin. Fléchis sur les bras. Reste. Une partie du corps en suspension. L'objectif, c'est de verrouiller ses abdominaux. Faire très très gaffe au bas du dos. Les cuisses, lorsque les jambes sont tendues, protège le dos. Et si on regarde bien l'alignement, reste un peu tendu, Michaela. Baisse un peu les fessiers. Allonge, 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 allonge. Et là, les abdominaux sont en version optimale.